Coucou YouTube! Comment vous allez? On continue sur Sonic, nous. Hop là! Excusez-moi, je me réinstalle, j'avais poussé la mascotte un petit peu, qui vient carrément de littéralement reprendre ma place. On continue sur Sonic Frontier, on a déjà joué 37 minutes, on va enchaîner, voir ce qui se passe. Ouais, j'avais un doute que ce soit le méchant, mais que ce soit un méchant, mais ouais. Ok. C'était pas ça que ça voulait nous montrer? Ça voulait nous montrer quoi? Le monde ouvert? Il est joli, les rampes sont fun, la cascade là-bas au bout, c'est... Alors, encore une fois, par rapport à Pokémon, on va pas dire que ça me choque, hein, mais... C'est joli, mais... À partir d'ici, Sonic est libre d'explorer l'île et de rassembler les Chaos Emeralds. Si tu ne sais pas où aller, essaie de résoudre des énigmes et défis alentours. Cela déverrouillera une portion de la carte pour révéler davantage de chemins et faciliter l'aventure de Sonic. Ok, moi je veux déjà faire ça. C'est ça, hein, fallait tout allumer, ouais, voilà, cool. Donc là, on récupère un bout de carte. Oh, puis en plus, ça déverrouille des... Ok, Chaos Emerald. Il y a un truc de l'autre côté qu'on a... on n'a pas fait, définir les marqueurs sur la carte. À mesure où tu résous les mystères de l'île, les lieux proches deviennent connectés par des rails anciens te permettant de voyager rapidement. Ok, donc ça c'est cool. Je crois qu'ici il y a un truc qu'on n'a pas résolu. Après on s'en fout. Trouve des graines de puissance rouge et des graines de défense bleue disséminées sur l'île. Rapporte-les au Coco Ermite pour améliorer l'attaque et la défense de Sonic. Ok. Les rails de puissance anciens là. On se calme. On se calme parce que globalement là, si je monte sur celle-ci, il faut que je passe tout de suite sur celle-là quoi. Dans les scènes où hop, la caméra restera fixe. Ok. C'est moi, c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai fait, je voulais changer, j'ai fait carré. Ok, c'est pas grave, là c'est totalement ma faute. Mais en même temps, ça revient en arrière, du coup. D'un côté, on s'en fout, quoi. D'un côté, on s'en bat les steaks. Ok. Les petits points de compétence. Alors, par contre, je crois qu'on a 5 points de compétence. C'est pas ça. C'est sa compétence. Frénésie. Quand le compteur de combo est au max, l'état de frénésie s'active et les techniques deviennent 1,2 fois plus puissantes. Coup en point de compétence. Ça, il y a quoi? Coup en point de compétence. C'est dans l'histoire. Du coup, on a que ça, en fait. Ok. Frénésie. C'est continuer d'attaquer pour remplir la jauge. Et c'est la zone bleue en bas, ok. Oh, classe! Ok, on sait faire. Quand ta jauge de combo est au max, la frénésie s'active. Ok, ça c'est ce qu'on vient de voir. Ça marche. Sur les côtés, figure aérienne. Des étincelles autour de Sonic avec les airs signifie qu'il peut effectuer des figures. Celles-ci permettent d'obtenir des points de compétence. Cool. Sonic Boom, un coup de pied ultra rapide qui dégage une onde de choc pour frapper les ennemis. Beaucoup plus cool. Ok. Ça va être long. Ok, c'est cool. C'est toi? C'est qui ça? Ça doit être le méchant. Il y a quelqu'un? Allez,
À l'aide! Attends. Peut-être que Je veux bidouiller les bidouiller ruines les réglera ruines, le réglera problème. le problème. Bidouiller les ruines de quoi? Assura. Si, je crois que je l'avais déjà vu en live, peut-être par Mister MV ou un truc dans le genre. Je t'en souviens, récupère les formes d'objets. Casse les couilles à ce point-là, non? Ouais, donc c'est bien celui-là que j'avais eu sur MV. Bah, j'ai pas été touché, tu déconnes là. Oh, j'ai plus aucun jeton là par contre. Chercher des jetons, peut-être en tapant autour de ses jambes. Pourquoi je suis retombé? On va aller rechercher des jetons autour de ces patounes. Grossement aussi lui hein. Putain, j'arrivais jamais à remonter, c'est quoi ce connerie là? J'ai même plus de jetons là. J'ai même plus de jetons, j'ai même plus de ring. Ok, c'est bon. Ah, j'avais réussi à monter, je suis deg.
peux escalader moi-même. Bah oui, putain. Oh là là. Oups. Ah oui. Par contre. Ah non, sérieux quoi. Oh, oh va chier avec ton ah là là, ton simulateur de merde. Ah, c'était juste ça, ok. Ça m'augmente un peu ma santé, ça, genre. Non, pas du tout. Attends, ça casse les. Ça casse certains trucs là. Ok. Gnagnagna, c'est d'équilibrer les stats de Sonic, mais vache. Non mais je sais qui c'est bon, allez go, hop. C'est bon, je sais qui c'est, je vais récupérer 2 pièces de plus là. Hop, allez, ça suffit bien 5 minutes. Ah putain, j'ai pas fermé mon cercle. C'est pour ça que je peux escalader des parois, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais genre tue-toi toi-même? Poste à Mimine. La caméra, c'est folichon, hein.
Parle à Amy. Eh ben, il est terne celui-là. Hein. Ah oui, effectivement, on a la vitesse de Sonic en bas et y a mieux. Parle à Amy, mais. Parle à Amy, mais là, on a ça en fait. On fait perdre quand même. Ah oui, j'ai un peu plus de temps. Il faut juste pas quand il y a les pas quand il y a l'électricité. Ok. Ok. On parle Amy et il y a la puissance de l'amour. Des petits cœurs, c'est trop chou. Que se passe-t-il alors? Il a bidouillé les ruines en mettant des petits cœurs. Ça doit être le grand méchant, il a une cape et il est noir. Bah pas, non, pardon. Oh là là, évitons de dire des trucs dans le genre. Est-ce que ça va? Ah, j'ai la main qui brille. Je voulais dire, il est mystérieux, sombre et tout. Mais l'énergie qui me retenait prisonnière est entrée en toi. J'en suis pas à ma première substance louche. D'ailleurs, ça c'est chelou par contre. Comment ça, t'en es pas à ta première substance louche? Si tu le dis, on ferait mieux d'y aller. Avec Tails? Avec Nucleus? Je pense que Tails l'est aussi. Pas bête, je vais patrouiller la zone, on se retrouve plus tard, ok? Ok, sois prudent. Prudent? Et le fun dans tout ça? Alors, ah, j'ai pas eu le temps de voir. Tu es la clé, fais bon usage de ça. Qu'est-ce que c'est la technique, s'il vous plaît? Obtiens les clés dans les portails. Écraser. Triangle et rond quand la commande apparaît. Lance une attaque puissante en suivant les commandes à l'écran. Allez au simulateur. On va le tenter. Alors attends, L1 plus R1. Ok, je le tente le L1 plus R1. Ok. Je sais pas si on peut réussir à m'en servir beaucoup, mais quand la commande appuie. Ah, bah, appuie pour quand la commande apparaît pour écraser, ok. Comment ça sauvegarder? Ça sauvegarde pas tout seul? Sauvegarder les données. Si ça sauvegarde tout seul. Donc c'est bon. Oh, il fait nuit, c'est chou. Ça a apparu, avant ça y était pas, je crois. Ok, c'est là-haut. Oh là là, ça demande à être escaladé. Imagine la vue. Ouais, je suis d'accord. Pièces violettes. Les pièces violettes sont des pièces uniques utilisées pour les portails violets. Ramasse-les. Ok. Faut les ramasser. Lave-la des cocos. Lave-la des souvenirs d'Amy. C'est joli ça là-bas. Ok, donc là j'ai plein de cocos.
pas trop, il a obtenu des trucs dans les portails. Il n'y avait pas un autre portail un peu plus haut là? Si, c'est ce qui me semblait, genre ça là, c'est un portail ça. Critère d'accès, un portail, j'en ai trois je crois. Est-ce que je vois quelque part? Ouais, j'en ai trois sur la gauche, donc il m'en reste deux. Ok. Donc, nouveau monde numérique. Ça, monde numérique, ère numérique, truc numérique. Atteint l'arrivée, termine avec tout une note de rang S, termine avec 80 rings, trouve tous les rings. Même principe, hein. Il va à l'arrache. Et on teste. N'empêche, c'est ce qui ressemble à des petits mondes de Sonic et c'est sympa, on s'en fout, on attaque combo, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça charge. Accompli. Hop, quitter l'entraînement. Lorsque Toc, en part en bas à droite dans les diacritiques, le défi est mystère de l'île. Wow. Sauter, j'y ai pas pensé, je l'ai pas vu assez tôt. Ok. Attendez, parce que là, j'ai l'impression que ça recommence pas vraiment. J'ai l'impression de ne pas avoir de vision là, j'ai pas l'impression d'avoir la visibilité. Ok. J'ai l'impression d'avoir moins de vitesse que... Chelou. Je comprends pas. C'est le truc que je vous disais tout à l'heure, il y a un espèce de délai. Entre le moment où j'appuie sur... Entre le moment où j'appuie sur le... Je sais pas, y a... j'arriverai pas... Je suis pas sûr d'arriver à prendre la truc. Alors il faut pas que je double saute. Comment ça, tutuc? Oh, j'ai 5 rings! Je les ai? Merde, il me fallait juste. Et un rang de. Ok, il me fallait juste 80 rings et j'en ai 55. Joli! Classement supérieur, trophée obtenu. Oh joli, j'aurais presque pu finir les 4. Bah pas du tout, j'étais très loin des trucs, mais ça fait 3. Ça fait 3 clés quoi. C'est fun. Je l'ai trouvé beaucoup plus lent que les autres, beaucoup moins agréable en tout cas que les autres.
Mais ok. Pourquoi pas, trois clés d'unité. Il y a un coco sur le côté qu'il faut que j'aille rattraper. Un coco. Un coco. Bravo. Bravo. Trois clés. Une unité a été révélée et peut maintenant être ouverte. Aucune autre Chaos Emerald. Déjà? Il y a combien de Chaos Emerald 7? Ah, robot Schnick. Qu'est-ce qu'il dit, robot Knick? On peut lui donner une voix chelou à Robotnik, même s'il parle lui-même en fait. Il semble que je sois dans une dimension numérique. J'ai utilisé des constructions semblables pour mes propres systèmes, mais pas si avancées. Note à moi-même, ne jamais l'avouer à personne. Impossible de quantifier le nombre de données emmagasinées. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Ok. Mission et clé. Chaque portail contient sa propre collection de missions et les terminer te donnera accès à des clés du chaos. Le nombre de clés est affiché en haut à gauche de l'écran et le nombre de clés nécessaires pour ouvrir l'unité suivante est affiché sur la carte. Ok. Alors ça me va. Le truc, c'est que pour l'instant, les missions spécifiques, je les vois pas, quoi. C'est genre récupérer des rings, finir avec un rang de... avec un temps de rang S. Les rings rouges, et puis je sais plus quoi. Temps de rang S, rings rouges, rings normaux. Non, je sais plus. Bon, on en a eu pas mal, de toute façon. On va pas se plaindre, on en a eu quand même pas mal. La Chaos Emerald est là-bas. On n'a pas d'autres trucs pour révéler la carte par ici. Genre ça, c'est validé. C'est validé, faut qu'on aille genre par là-bas. Tout droit. Mais il y a plein de trucs, regardez là-bas, il y a encore un truc. Et là aussi, il y a encore un... pour les points, ça c'est pour hop et nous. Non, putain, mais quel débile. Ok, mais comment on fait pour récupérer tous ces trucs là? Donc ça c'était assez facile, ça va. Oui, je sais, je m'en suis pris trop tard. J'avais bien réussi le premier coup, mais là... Non mais t'es sérieux, là, ça passait, là. Hein. J'ai perdu toutes mes pièces à cause de ça. Mais il se recharge en plus en boule.
Il est foiré celui-là. Hein. Déjà une deuxième Chaos Emerald du coup. Ok, ça va assez vite je trouve. Mm-hmm. Tadam! Oh mon dieu, une deuxième Chaos Emerald que je vais tout droit carrer dans mon... Bien sûr que non, voyons. Ouf! C'est quoi ça? Ça c'est énorme ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon! Ah oui, c'est vraiment grand en fait. J'imagine qu'il s'agit d'un des titans qui garde Amy. Ah ouais, je comprends du coup le côté titan. Oh, trop shoot en fait! Allez, Mimi! D'où tu sors? T'es coincé ici aussi? Ne t'approche pas du titan. Désolée, ma petite, mais le devoir m'appelle. Avec un peu de chance, il va te détruire. Ok. Hop, esquive. Ah ouais, non. Des rochers. On peut sauter des uns aux autres avec carré. Bientôt la frénésie. Pas du tout. Ouf. Ah ouais. On a joué aussi mal que ça. Ok. C'est cash. Je vais pas pouvoir l'éliminer avec la méthode habituelle. Il me faut les Chaos Emeralds. Et aussi un peu de chance. Alors, c'est vraiment pas genre moi, avoir un peu de chance. Du coup... c'est quoi ça? Alors toi... Ok. Il y a un truc en plein milieu des rails là que j'avais pas vu tout à l'heure. Regarde, deux chaos. Ah ok. Deux chaos émeraudes, 2, 4, 6, 7. C'est bien ça, il y en avait 7. Image art est où l'autre? Coco ermite et graines. Donne les graines de puissance rouge au coco ermite pour augmenter l'attaque de Sonic et les graines de défense bleue pour augmenter la défense. Nous rencontrons enfin Sonic the Hedgehog.
On se connaît? Tout comme les cocos, tu as touché le rêve numérique. Contrairement à beaucoup, je sais l'écouter et entendre les secrets qu'il révèle. Mais pour bien l'entendre, je dois m'isoler. On peut dire que je suis un ermite, mais c'est la vie que j'ai choisie. As-tu trouvé des graines sur ton chemin? Tu veux dire ces trucs que les robots laissent parfois derrière eux? Absolument. Je peux extraire la puissance qu'elles contiennent et te la transmettre. Oh mon dieu! Défense améliorée de 1 à 4, niveau de puissance amélioré de 1 à 5. Cool! Amène-moi des graines et je te donnerai davantage de puissance en retour. Les graines de puissance te permettront de taper plus fort. Les graines de défense te rendront plus résistant. C'est trop cool! Et toi aussi, l'ermite! Ce n'est que ce qui arrive lorsque l'on écoute les murmures du rêve numérique. Tant de potentiel dormant en toi que je ne peux pas atteindre. Mince, tu connais quelqu'un qui peut? Oui, malheureusement. Cherche mon frère, le cocodoyen. Il pourra libérer ta force intérieure. Reviens ensuite me voir pour que je vérifie qu'il a fait ça correctement. Je suis fatigué, je vais retourner au rêve. Laisse-moi mon petit. En train de regarder l'heure qu'il est. Ça doit faire plus d'une demi-heure qu'on enregistre encore. Oui, à ramener des cocos, plein de cocos. Cela fait 37 minutes qu'on enregistre encore. Je vous ai toujours pas dit ce que je comptais faire, je crois. Bref, je vous le dis au prochain truc, on va récupérer le coco qui est là. Pendant ce temps-là, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine YouTube. Ciao ciao, bye bye!